Salam alaikum. Arithmétique dans 1. Pour les élèves des troncs communs scientifiques. Exercice 07. Soit un entier naturel impair. Premièrement, montre que n au carré moins 1 est multiple de 8. Deuxièmement, déduire de la question précédente que n puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Troisièmement, soit A et B. Deux entiers naturels impairs, montrer que 8 divise a au carré plus b au carré moins 2, ou bien a au carré plus b au carré moins 2 est un multiple de 8. Alors, première question. Sachant que n est un nombre impair, je vais montrer que n au carré moins 1 est un multiple de 8. Alors, puisque n est impair, puisque n est impair, alors n s'écrit, alors n s'écrit sous la forme de k plus 1, avec k un nombre entier naturel. Bien sûr, le k, un entier naturel. Donc, n au carré moins 1 égale. Je remplace n par 2k plus 1, donc j'obtiens 2k plus 1 au carré moins 1. Ceci est égal à. C'est une identité remarquable de la forme a plus b le tout au carré. Ça donne 2k le tout au carré, c'est 4k au carré, plus le double produit, plus 4k, plus 1, et moins ce 1. Donc ça donne 4k au carré, plus 4k. Égal. Alors ici, j'ai une factorisation, 4k. 4k facteur commun. 4k facteur de, entre parenthèses, il me reste ici k, ici plus 1. Alors remarquez bien que k étant un nombre entier naturel, k plus 1 c'est le suivant de k, donc d'un nombre consécutif. Nous avons le produit de deux nombres consécutifs, ce qui est égal. 4, le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair, donc fois k fois k plus 1. Alors je vais l'écrire sous la forme de fois k prime, c'est un nombre pair. Ceci est égal à 2, 4 fois 2 ça fait 8, 8 k prime, avec k prime un entier naturel. Donc j'ai démontré que n au carré moins 1 est égal à 8 k prime. Ceci montre que n au carré moins 1 est multiple de 8. Donc n au carré moins 1 est multiple de 8 pour tout n impair. Voici la réponse, la première question. Je passe maintenant à la deuxième. Déduire de ce qui précède que n puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Alors, deuxièmement, n puissance 4 moins 1
Ceci, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire n au carré, moins 1. Donc, il se factorise en n au carré, moins 1, facteur de n au carré, plus 1. Or, n au carré moins 1 est un multiple de 8, c'est-à-dire 8k. Ceci, égale 8k. Alors je l'écris comme ça, 8 fois un nombre k, avec k un nombre entier naturel, fois, je remplace maintenant n par sa valeur, n c'est un nombre impair, donc je reviens de k, petit k, plus 1, le tout au carré, plus 1. J'ai rien fait, seulement j'ai remplacé n par le fait qu'il est un nombre impair. Donc ça donne égal, je continue le calcul, donc 8 fois grand K. Alors n'oubliez pas ici de dire grand K est un nombre entier naturel. Alors, 8k facteur. Alors, j'effectue ce qui entre les crochets. Ceci, c'est une identité remarquable, donc ça donne k au carré, 4k au carré, plus le double produit 4k, petit k, bien sûr, plus 1, et plus ce 1, ça donne plus 2. Alors, entre les crochets, j'ai deux cofacteurs communs. 2, 2, 2. Ce qui donne 8K. 8 grand K. Multiplié par. Je factorise par 2. Alors, j'obtiens 2. Facteur de 2K au carré. Petit K, bien sûr. Plus 2 petits K. Plus 1. Ceci donc, le produit ne change pas. Si je change l'ordre des facteurs, 8 fois k fois 2, ça donne 8 fois 2, ça donne 16 k grand k fois 2k au carré. Petit k au carré, plus 2 fois petit k, plus 1. Et ceci est ce produit sous lequel je vais mettre cette accolade. Je vais l'appeler grand K prime. Donc j'ai obtenu 16 fois grand K prime. Avec, bien sûr, K', c'est un nombre entier naturel. K étant un entier naturel, ce qui est entre les deux parenthèses est aussi un nombre entier naturel. Donc le produit, ça donne toujours un nombre entier naturel que j'ai appelé K'. Alors K', c'est K facteur de 2K au carré plus 2K plus. Alors, j'ai montré maintenant que n puissance 4 moins 1 est égal à 16 fois k. Ceci montre que n puissance 4 moins 1 est un multiple de 16. Ce qui termine la question numéro 2. Alors je passe maintenant à la question numéro 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Soit A et B deux entiers naturels impairs, montrer que 8 divise A carré plus B carré moins 2. Donc je vais montrer que A carré plus B carré moins 2 est égal
ou bien est un multiple de 8, tout simplement. Alors, je vais écrire troisièmement. A au carré plus B au carré moins 2 égale. Alors, puisque A est un nombre impair, donc il est sous la forme de K plus 1. J'oublie pas le carré. Plus B aussi, un nombre impair, donc il est sous la forme de K prime plus 1. Le tout au carré moins 2. Avec, bien sûr, K et K prime, deux nombres entiers naturels. Alors que j'écris ici K, K prime, il appartient à l'ensemble n. Donc je continue mes calculs, c'est une identité remarquable, ça donne 4 K au carré plus le double produit, c'est-à-dire 4K plus 1. Ceci aussi, c'est une identité remarquable. Je développe, ça donne 4K prime au carré plus le double produit 4K prime plus 1 et moins 2. Alors le plus 1 et le plus 1 ça donne plus 2, avec moins 2 ça donne 0, donc égal à 4. Après simplification, il nous reste 4k au carré plus 4k plus 4 k prime au carré plus 4 k égale. Alors ici je factorise ces deux, par 4k. Alors j'obtiens 4k facteur de k plus 1 plus ici je factorise par 4k prime, donc j'obtiens 4k prime facteur de k prime plus 1. Et remarquez bien que ceci, c'est le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs, k fois k plus 1 entre parenthèses. Donc c'est un nombre pair. Le produit de deux nombres entiers consécutifs est un nombre pair. Donc il obtient 4 fois 2 grand K. Un nombre pair, il s'écrit sous la forme de fois grand K, avec grand K un nombre entier naturel, plus la même chose ici, ceci K' facteur de K' plus 1. Vous voyez que c'est le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs, donc ça donne un nombre aussi pair. Donc je retiens 4 fois 2 grand K prime, par exemple. Donc j'obtiens 4 fois 2 ça fait 8 grand K plus 4 fois 2 ça fait 8 grand K prime et bien finalement je factorise par 8
J'obtiens, égal, 8 facteur de grand K, plus grand K prime. Toujours grand K et grand K prime sont des nombres entiers naturels. Alors j'obtiens 8. Je remplace cette somme par exemple par K seconde. Donc j'obtiens K 8 fois K seconde. Avec toujours K seconde, c'est la somme de deux entiers naturels, c'est toujours un entier naturel. Alors j'ai montré maintenant que A carré plus B carré moins 2 est égal à 8K, 8 fois un nombre entier naturel. Et ceci montre que 8 divise A carré plus B carré moins 2, ou bien A carré plus B carré moins 2 est un multiple de 8. Et ceci termine notre exercice. Au revoir.